Salut les amis, c'est Nico, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans Tone Factory, derrière la batterie, avec la marque Sabian. Sabian, la marque canadienne que j'adore, c'est parmi mes premières cymbales, les premières cymbales que j'ai eues sur mes premières batteries, c'est des Sabian, notamment, si j'ai bon souvenir, les B8 Pro, des choses comme ça pour débuter, puis après des choses un petit peu plus travaillées, un petit peu plus haut de gamme. Aujourd'hui, on se retrouve avec une très très belle cymbale, la Stratus, une très très belle série de cymbales, puisqu'on va essayer une crash, une cymbale d'effet, une ride, et un charlet aujourd'hui dans cet épisode, c'est parti. Une note assez grave et assez profonde pour ce hi-hat de 14 pouces qui nous accompagne aujourd'hui, cette série Stratus. Donc c'est une nouvelle série de chez Sabian. Ça faisait un petit moment que la marque canadienne ne nous avait pas proposé quelque chose de nouveau. Ça fait plaisir parce que c'est une marque qui a vraiment son identité, et justement on retrouve très très bien l'identité avec les Stratus. Alors je vous parlais d'une note grave, pour autant il y a du détail, il y a de la clarté, sans problème. Vous voyez d'ailleurs quand j'appuie un petit peu les notes, c'est jamais vraiment agressif. Voilà, c'est ce que j'aime avec ce charlet. C'est toujours la note qu'il faut, même si voilà, c'est quelque chose qu'on peut au premier abord trouver un petit peu dark. En fait, c'est parfait, notamment dans le mix d'un groupe. Ça passe pas par-dessus le mix. C'est facile à rentrer justement dans le mix. Le charlet, il est là pour ça. Il est pas pour être trop brillant, je trouve. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai un peu de mal avec les charlets trop brillants. Donc pour moi, ça, c'est vraiment parfait. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer aussi. On va passer à ma cymbale préférée, sans plus attendre, sur le kit. La cymbale que j'ai adorée, c'est celle-ci, la 22 pouces, la Ride Stratus. Elle est super belle, on l'écoute ensemble tout de suite. We'll be right back.
Mon coup de cœur, je vous en parlais, cette Stratus Ride, donc en 22 pouces, une grosse cymbale, hein, j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui cette taille de cymbale que j'apprécie beaucoup, ça souffle, mais pas trop, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de solidité dans le son. Voilà, on entend bien le ping, comme je dis souvent, de la baguette sur la cymbale, c'est très important pour moi, encore une fois, ça passe parfaitement dans le mix. Aussi, une note grave, c'est un petit peu global, hein, sur toute cette série Stratus, on retrouve un petit peu ce caractère dark, mais pas trop, juste ce qu'il faut, il y a quand même de la brillance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sabian, c'est une marque qui a fait beaucoup de cymbales très rock, aussi des cymbales beaucoup plus fines, hein, ils ont tout fait, mais par rapport à d'autres marques concurrentes, des choses plutôt costaudes, plutôt solides, on sent ce background voilà, dans ces cymbales, et c'est très très cool, ça me rappelle plein de souvenirs, en tout cas personnellement. Alors sans plus attendre, on va passer à la cymbale d'effet qui est sur ma droite ici, la Zero de chez Sabian, la Stratus Zero. Vous allez voir, c'est super cool, cette cymbale très originale puisque trouée, comme vous le voyez, c'est parti. Ça, ça change. J'adore parce que ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude, entre guillemets, d'entendre. Les cymbales d'effet, on a l'habitude d'en entendre. Mais personnellement, sur mon set de batterie, je suis un petit peu réticent parfois à mettre ce genre de cymbales. J'ai peur que ça prenne un peu la tête, etc. Et celle-là, elle est très cool, encore une fois, pour cette note dark. Finalement, on peut appuyer dessus. Elle prend de la place, hein, mais pas trop. Juste ce qu'il faut, je trouve, notamment avec la Ride, elle se marie très très bien. C'est toutes les deux des cymbales qui ont un joli volume, hein, comme vous l'avez entendu. Alors une cymbale facile à jouer aussi, parce que c'est pas qu'une cymbale d'effet, je trouve, sur le dôme. C'est vraiment très très cool. Je vous refais voir ça, mais voilà, quand on la met, on peut l'imaginer dans un pattern standard juste avec le dôme. Ça marche très bien. Il y a ce côté un petit peu résonnant de la cymbale d'effet qui arrive derrière, mais on a un dôme quand même assez précis. Ça, c'est très très cool, on peut imaginer ça en enregistrement. Ça marche très bien. Alors, sans plus attendre, il nous manque une cymbale, la Crash. Ici, une 18 pouces. Voilà pour cette Crash, donc 18 pouces de cette série Stratus de chez Sabian, qui se marie très bien d'ailleurs avec la cymbale d'effet. On l'a vu voilà, sur ces pêches là, ça fonctionne très très bien les deux ensemble. Je lui reproche peut-être un petit manque de précision voilà, dans le son. On a des fréquences qui partent un petit peu, ça reste pour autant une très bonne cymbale, c'est précis, mais par rapport au reste du set, un petit peu moins. Voilà, c'est le seul petit reproche que j'ai à faire. J'ai quand même vachement apprécié aussi la couleur globale de la cymbale, tout comme les autres, il y a cette note un petit peu profonde. On reconnaît le caractère voilà, de cette série, qui se veut quand même un petit peu rock. Voilà, c'est des cymbales polyvalentes, mais qui s'orientent plus vers quelque chose de rock. On a envie quand même d'aller chercher des trucs un petit peu costauds, excepté la Ride, qui est très polyvalente, je trouve. Le reste, ça invite à jouer des trucs plutôt musclé, voilà, ce qui est très cool sur le set aussi. Ça fait du bien, de temps en temps, de taper sur la batterie. Voilà les amis, vous savez tout sur cette série Stratus. Ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte avec un jeu un peu plus doux, qui va monter en puissance, vous allez voir, pour écouter le set complet cette fois-ci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous donne rendez-vous au prochain Burton Factory. Ciao !